J'aimerais vous raconter une histoire qui a trait aux activités de mon fils radiophonique Philibert et qui est une histoire qui est arrivée à un inspecteur. Un inspecteur qui fait la tournée des écoles de la région parisienne et avant d'interroger les enfants, il se tourne vers l'instituteur. Je dis, monsieur l'instituteur, quel était le programme de la classe aujourd'hui ? Ben, dis, monsieur l'inspecteur, j'avais l'intention d'interroger ces enfants sur les tables de multiplication. Excellente initiative. La table de multiplication, la liste des départements avec les préfectures et les sous-préfectures ne sont-elles pas en effet les plus beaux fleurons de notre enseignement primaire? Tu parles. Nous vous écoutons. C'est parfait. Alfred. Tiens. Alfred, table de multiplication par deux pour monsieur l'inspecteur. Oui, monsieur. 1 × 2 × 3 × 4 × 8 × 6 × 12 × 16 × 18 × 19 × 20 × 21 × 22 × 23 × 24 × 25 × 26 × 27 × 28 × 29 × 30 × 31 × 32 × 33 × 34 × 35 × 36 × 37 × 38 × 39 × 40 Un virtuose. L'instituteur lui dit, c'est parfait, c'est très ressemblant, on s'y croirait. Asseyez-vous, voyons voir. Philibert. Tiens, Philibert. Cap de multiplication par 3 pour monsieur l'inspecteur. Oui, monsieur. 3 × 1 = 4. C'est mal parti, ça. T'es là, 3 × 2 = 7. Oui, je sais, j'avance un brin, n'est-ce pas? Je n'ai pas dit mon dernier mot. C'est 3 × 5? C'est un désastre. Je me demande combien ça va faire, ça. Pourvu qu'ils ne me retiennent pas les assurances sociales. 3 × 5? Allez, tiens, 14,50. Puis n'insistez pas, je pourrais pas vous le faire plus juste, c'est mon prix de gros. Alors vous savez, je fais à peine mes frais. Oui, oh ben ça suffit. Asseyez-vous, arrêtez le carnage. D'ailleurs, je voudrais bien interroger un peu les bancs du fond. Effectivement. L'inspecteur venait d'apercevoir aux bancs ultimes de la classe, juste à côté du chauffage central. C'est là qu'ils s'épanouissent. Un de ces cancres qui font la gloire des récréations françaises. Et comment vous appelez-vous? Et moi, je m'appelle Ernest. C'est à quel sujet? Ernest, vous m'avez l'air particulièrement doué. Voulez-vous nous dire, je vous prie, la table de multiplication par 7? Ah ah, ben merde alors. Je ne vous ai pas demandé la table des matières, je vous ai demandé la table de multiplication. Voilà. Et vous y tenez ou? C'est vrai qu'il faut être vicieux pour aimer ça, hein. Moi, je suis très au courant, je suis ça d'assez près, je vous donne un conseil d'amis. Laissez tomber, c'est zéro, hein. C'est zéro, hein, c'est monotone. Vous verrez, vous en serez pas content. Vous n'en aurez pas pour votre pognon, c'est toujours... La question n'est pas là. Table de multiplication par 7. Oh là là. J'en ai marre de cette école, moi j'en ai marre. Toujours debout au tableau. Ça me fout les varices, moi, si vous voulez le savoir. J'ai des jambes dans un état que si vous les voyez, vous dire... La question n'est pas là. Table de... Ouais, oh, ça va. Une seconde, je vous en prie. Une seconde. On cause. On n'est pas aux pièces, non, sans même. Alors ne poussez pas, il y en aura pour tout le monde. Les femmes et les enfants, d'abord. Toujours dans les naufrages. Et celui-là, c'en est un. C'est qu'il faut se le farcir, ces hugos, hein. Si j'aurais su, j'aurais pas venu. Si j'aurais su que ça soit ça, j'aurais pas venu. Parce que vous êtes têtu, hein. Vous êtes peut-être pas le mauvais gars, mais qu'est-ce que vous trimballez comme carafon, excusez-moi. Ça vous passera, pauvre bonhomme. Avant que ça me reprenne, c'est moi qui vous le dis. Bon, eh ben on va y aller.
on va pas tarder à y aller. En tout cas, je vous ai prévenu, vous ne viendrez pas chialer après, vous savez ce qui vous attend, hein. C'est à la loyale. Allons-y gaiement. Et voilà, bien chaud, bien parisien. Faut-il vous l'envelopper? Écoutez, mon jeune ami, je regrette. Ah, mais moi aussi je regrette, on va pas faire le réveillon là-dessus, non? Ça commence à être un peu longué, hein, faut devoir y mettre du vent aussi, ben c'est moi j'ai pas que ça à faire non plus, alors, faut être raisonnable. Hein? Un grand garçon comme vous, alors. Pas que ça à faire, moi j'ai encore un problème sur les robinets à me farcir. Qui c'est qui va se le cogner, le robinet qui perd? Hein? Le bassin qui fuit. Et il y a des jours où ça s'évapore. Et Marignan, 1515, c'est pas dans le bottin des téléphones, ça faut le savoir. Alors je vous en prie, écrasez, bonhomme, écrasez. Si je vous dis que c'est la table, vous pouvez me faire confiance, c'est la table et puis c'est mort. Seulement c'est toujours pareil, je sais pas ce qui se passe. La musique, ça va. C'est la musique que je m'en rappelle au poil. Mais c'est ces cochonneries de paroles, ça j'en sors pas. Qu'est-ce que vous voulez que vous dites?